Recruté en 2009, Tarek Kozo Boustani, un Togolais d'origine libanaise, père de deux filles, premier pilote de la compagnie ASKI a tiré sa révérence après avoir été renversé par un automobiliste en France. Le désormais ex-pilote et instructeur a été renversé mortellement par un automobiliste à la place Lamartine. Le drame s'est produit alors qu'il faisait une course dans le cadre de la célébration de son anniversaire de mariage. Tarek Kozo Boustani a été l'un des artisans du développement de la compagnie ASKI. Il a été notamment chef-pilote de la flotte Boeing 737NG et responsable des vols et des performances techniques des pilotes, et ce Selon le confrère Focus Info, ce Libano-Togolais a débuté sa carrière aux USA comme pilote instructeur à 19 ans en Californie et comme pilote ambulancier sur King Air 200 et 350 au Nouveau-Mexique pour la compagnie Mesa Airlines partenaire d'American Airlines. Il est également passé par Royal Air Maroc, Air Gabon, Europe Air Post, entre autres. C'est donc un pilote d'expérience que la compagnie panafricaine vient de perdre.